Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Company of Heroes 2 Arden Assault. Et on reprend, on s'était arrêté la dernière fois après la prise de la ville de Stockville, je crois. Saint-Vite, bah, excusez-moi. Et maintenant, nous allons occuper de Stomont que j'avais laissé en retrait le dernier coup, donc on est tous allés dessus. Ouh. Ça c'est bien par contre. Vous pouvez avoir parfois des petits bonus comme ça qui diminuent la puissance ennemie, mais non. Déjà Stomont, puis Prévils, Endorf. Donc la compagnie Fox s'occupera de ça. Donc après Bullingen, puis après on finira par Uren. Stomont, donc les forces ennemies c'est normal, ils ont quelques rangs de vétérans. Je vous laisse avec le briefing, puis on se retrouve tout de suite après. Les Allemands sont arrivés jusqu'à Stomont et ils nous ont totalement coincés. Mais il se trouve qu'ils ne peuvent plus avancer. On dirait qu'ils ont été plus rapides que leur chaîne d'approvisionnement. Ils sont maintenant dans cette espèce de sanatorium en lisière de la ville. À défaut de les neutraliser, capturez toutes les caches de carburant possibles et faites en sorte de maintenir la zone. On peut les affamer. La totalité de leur contre-attaque tombera à l'eau. Mais soyez prêts pour une riposte sérieuse. Ils sont désespérés et ont besoin de ce carburant. Donc, Stomont est tombé aux mains de la 6ème armée de Panzer tout en offensive. Cependant, la 6ème armée. La 6ème a trop étendu ses lignes de provisions et manque de carburant, ce qui l'a arrêté. Nous devrions pouvoir profiter de cette faiblesse et forcer une retraite. Si nous arrivons à lancer une attaque sur la ville, à capturer ce pot de carburant, 16ème aura de difficulté à mobiliser ses véhicules pour une contre-attaque. Donc il y a deux choix, soit on capture tous les dépôts missiles de la map, tous les dépôts d'essence de la map, et l'armée ennemie n'aura plus d'essence donc ses véhicules tomberont en panne sèche. Ou vous préférez ne pas capturer tous les dépôts de carburant de la map, comme ça vous détruisez les véhicules, ça vous rapporte plus d'expérience. À vous de voir. Après 2 heures de combat de chars à Stomont, les blindés allemands ont fini à sec et ont dû se replier. Personne n'attendait de contre-offensive juste après ça. Les forces allemandes dans la zone dépassent en nombre nos troupes. Mais leur manque de carburant nous donne un avantage inattendu. Si nos hommes peuvent maintenir leur frise désespérée sur les réserves de carburant de la ville assez longtemps, la machine de guerre allemande calera. Génial. Ok, voilà la situation. Les Allemands ont gaspillé leur carburant en progressant dans la zone. Si on parvient à les priver des réserves de Stomont, toutes leurs attaques resteront au point mort. Allez. On a du boulot, et ça va pas être une partie de plaisir. On va devoir commencer avec le sanatorium de la ville. Si on peut le capturer et garder ses réserves de carburant, les blindés allemands seront au point mort. On se met au travail, Dog. Non. Vous devez passer par là. Voilà, on commence avec vraiment énormément de troupes initialement. Ça se passe pas aussi mal. Bon, ma mitrailleuse se fait démonter. D'habitude, ça m'arrive pas. Ça. On se repositionne avant de relancer un assaut. Avancez malgré tout contact. Nous devons atteindre notre cible. Allez, allez! Prenez la tête. Nous avons reçu des ordres. Donc bombarder le bâtiment peut être une bonne idée pour neutraliser l'ennemi à l'intérieur, mais n'oubliez pas que c'est un bâtiment qui pourra vous être utile par la suite. Quand vous voulez établir votre ligne de défense, ce sera vraiment un bâtiment très pratique. Donc évitez de trop le démolir si possible. Ça sera quand même pratique. Hein. Ces gars-là font le plus gros du travail. Génie d'assaut prêt pour le combat. Ouais.
C'est ça que j'aimerais bien, mon pack de grenades. Maintenant. On avance derrière les lignes. Ok, on se bouge. Vous enlisez pas une fois les lignes passées. Section, préparez. Repoussez toute attaque. Nous devons atteindre notre point. Bah, on a le lance-flamme, c'est pour ça que je vais en abuser vraiment beaucoup. Ouais. Et nous, il nous faut des canons anti-chars derrière. Fermez-la. Nous avançons derrière les lignes ennemies. Feu défensif de chasse. Attendez qu'il bouge. Bon, il y a déjà des dépôts d'essence, il y a déjà des canons anti-chars. Deux devraient suffire normalement. Faut une mitrailleuse de plus. Ils arrivent sur le pression, préparez-vous. Ici, un petit bunker a toujours une unité A, donc je bombarde ici en préventif. Et il y a des caches de munitions et de carburant sur un map qui seront très utiles. Donc il faut très rapidement en fait de l'essence. Allez, on y va. Soyez prudents et activez-vous. Sécurisez cette putain de position. Veux qu'on sécure. Allez, dirigez-vous par là. Ouais. Donc ça sort pli maintenant. Parez-moi ça, vite au flanc. Envoyez les ordres. Section, préparez, bougez-vous le cul, go. Dirigez-vous vers cette position. Ouais. Ils sont fait décimer. Section parée. Prenez votre matos, on y va. Ok, on remballe. On y va. Préparez-vous à tirer. Allez, occupez-vous des blessés. Augmentez votre cadence de tir. On avance dans les lignes. Et normalement ici il y a aussi une cage de munitions de mémoire. C'est parti. Capturez le périmètre et restez baissés. Ça risque de chauffer. Voilà le deal. On avance dans les lignes. Donc à vérifier. Oui, c'est ça. On avance derrière les lignes ennemies. Allez les gars, c'est parti. On s'y met. Enfin, descente plutôt, je veux dire. La section entre en territoire Bosch. Voilà. On avance derrière les lignes. Tâche accomplie. Section parée. Défensif seulement. Bien les gars. Allons dans ces lignes ennemies. Et là, ce qui est important, c'est de pas de capturer ce point trop vite. C'est déjà d'appeler le major, d'attendre qu'il soit. En rang. On avance derrière les lignes ennemies. D'établir vos lignes de défense. Donc établir, c'est par exemple déjà préparer l'approcher des liens d'ennemis. Enfin, c'est surtout l'infanterie ennemie qui est dérangeante. Donc ici, vous faites des pièges de char. Comme ça, les blindés seront obligés de passer par là. Ou de passer par ce mur là, ce qu'ils peuvent passer, ils pourront passer par ici. Donc faut anticiper. Donc, c'est une terre. Excusez-moi, petit freeze. Ça arrive. Mais évidemment, les bunkers seront très pratiques dans cette mission. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Parce que ça vous donnera vraiment un bon petit soutien en plus, en complément de vos mitrailleuses. Donc ça, on va les capturer. On va peut-être mettre un canon de char là. Allez-y.
On est bon. Halte. Écoutez. Une fois qu'on a capturé la position, ajustez la position. C'est ça, les gars. On pousse dans les lignes allemandes. Je vais quand même éviter que ça soit trop long, mais faites vraiment une défense en profondeur. C'est... Je vous le conseille, c'est pas pour être rabat-joie, mais dans cette mission-là, mieux vaut vraiment très bien préparer sa défense avant que l'ennemi arrive. Et surtout avoir le plus vite accès au blindé. Allez, on a du pain sur la planche. Faites en sorte de sécuriser cette zone, caporal. Nous devons vous sécuriser. Vérifiez vos munitions. Donc là, par contre, c'est important qu'ici je mette les trucs anti-chars. Le sanatorium est sous contrôle. Bon, c'est parti. Montez une ligne de défense et préparez-vous à contre-attaquer. Donc là, c'est bon. Les gars, préparez-vous. Et on a nos deux canons anti-chars. Oui, ici ils pourront passer. Donc on va mettre des pièges anti-chars là, comme ça ils peuvent pas passer ici. Et ben ils seront obligés de là pour tirer sur le bâtiment, mais ils seront obligés de faire tout le tour et de passer par ici. Écoutez, voilà le deal. Un bataillon vient d'envoyer un commandant au combat. Contact ! L'ennemi avance sur la route ! Section parée. Ce qui est un avantage non négligeable, faut savoir. De forcer l'ennemi à passer à un endroit, vous fortifiez fortement cet endroit. Ouais, ils ont fait exprès. De toute façon, le premier véhicule, vous pouvez pas le détruire. Il s'est arrêté. Ils sont à sec. Coincez-les pendant qu'ils s'échappent. Faites avancer ce truc. Utilisez le carburant. Et là, vos escouades du génie seront très pratiques pour récupérer les véhicules avant de... Allons les défoncer, les gars! Ennemis, éliminés! Allez-y! Allez-y! Soyez prêts! Ils ne faisaient que nous tester. Ils reviendront en force. Il semblerait que les Boches manquent déjà de carburant et abandonnent leurs véhicules. Si on détruit leurs réserves, on pourra retourner leurs machines contre eux. Les Allemands tournent déjà à vide. Oula. On va les saigner en capturant les dépôts de carburant. Section parée. Ok, je vous explique. Voilà. Munissons-en, les gars. Oh, moi, il me faut le mortier. Prenez le matos. Sécurisez les tirs. Il me faut l'ambulance. On se met en route. Ordre d'avertissement. Nous avons capturé déjà le carburant là, en priorité. Section parée. Prenez le matos. Préparez-vous et à moins que je puisse se mettre là, le mortier, ça m'arrange, ça m'éviterait de tout bouger. Tenez-vous, ça m'arrangerait. J'ai reçu des ordres. Vous enlisez pas. Ouais. Les calibres 105 okay, sont chargés. Parez à tirer. Voilà qui est fait. Préparez-vous à y aller, les gars. Équipe au canon. Préparez les salves de fumigène. Tire prochain. Bon travail, les gars. Maintenant, renvoyez ce véhicule dans les rangs. Prenez la tête. Nous avons reçu des temps. Mais... On se bouge. Ne perdons pas de temps. Voilà. Le phosphore blanc est très pratique pour endommager les unités, comme j'ai déjà pu vous préciser. On ne cherche pas la bagarre. Donc n'hésitez pas à en abuser. Équipage cherche les cibles. Batterie anti-char à portée, paré à tirer. Section, préparez-vous.
quoi. Et merde. Oh mais là je me suis dégommé moi-même une ambulance, ça faut quand même le faire. On se met en route. Fusil mitrailleur à l'avant. Je joue vraiment mal. Allez, Zilot, fais-nous en plus. Section parée, montée, arme parée. Les éléments principaux rapportent des actions ennemies sur leur ligne. Section parée, départ en route. Allez. La position est garde, maintenant y aller, c'est vous. Bon. Ok, on bouge. Section en formation. Vous avez pour ordre de capturer la zone. On avance dans les défensif. Très important de prendre ce dépôt de carburant. L'ambulance se lance sur le champ de bataille. Faut éviter de faire des grenades, on faut de l'essence. C'est pour une seule et bonne raison qu'on veut de l'essence. Bien reçu. Ok, évitons de gaspiller pour autre chose quand même. Ok, on se bouge. On attend les ordres. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en ayant capturé ce deuxième point de carburant, on va commencer à avoir un bon niveau de ressources. C'est comme ça que ça se passe ici. Continuez comme ça. Équipez-vous et sortez. On vous écoute. Allez. Il ne leur reste qu'un dépôt de carburant. Faites pleuvoir les tirs et prenez cette zone. Contact. NG contre eux. Bon impact. Et une formation. Allez. On essuie de tirer effectif. Et le dernier point de carburant à capturer, c'est l'église. Des ordres. Qui est ici. Le bataillon signale un officier allemand de haut rang dans la zone. Trouvez-le et éliminez-le. Je m'en doutais qu'il était en haut. Le plus sûr qu'un officier de rang, il est là-haut. Réorganisez-vous et préparez vos lignes contre les actions ennemies. Restez groupés, on avance. Départ là. Soldats équipés et parés. Envoyez les... Allez, occupez-vous des blessés. Ok, on bouge. Partons d'ici. Les unités allemandes se rassemblent sur une zone avancée. Mettez les rangs en alerte. Préparez-vous. Derrière les lignes ennemies. Feu défensif seulement. On se fait cadaver. On les touchait. On les touchait. Ça a terminé. On va les défoncer. Mais faites gaffe à vous, les gars. Batterie explosive, feu. Bon, j'y suis allé franco, j'avoue. Mais ça, ça pourrait un peu plus vite. Ça m'a laissé avancer. Restez avec moi. Capturez cette zone. Avancez, bon tireur. Trouvez-le. On a quelques soldats. Les poches sont morts. Et là maintenant, c'est bon. Je commence à avoir pas mal d'expérience de compagnie. En route. Allons libérer quelques zones. Où est-ce que... Ok, on doit capturer. Maintenant, il ne manque plus qu'à avoir plein de blindés et tout ira bien. Quand je dis plein, c'est une montagne de chars. On est prêt à y aller. Vous relâchez pas. Couvrez les approches. On est prêt à y aller. On attend les ordres. Bon, le Puma est un véhicule de scout, je vous rappelle initialement. Arrêtez-vous. L'infanterie ennemie a été repérée et est prête à avancer. Préparez vos lignes de front. Allez, y va. En avant, en avant. Merde. Allez, en route.
char est arrivé. Sherman paré. Équipé et paré. Allez, pilote, on se met en route. Je suis censé faire quoi avec ça? Un de leurs véhicules vient de s'arrêter. Je crois qu'il est en panne d'essence. On y va. Elles ont couru par là-bas. Donc ce véhicule-là, il va directement là-haut. On a déjà retenu 2 des 5 vagues. Vous voyez, la mission n'est en soi pas bien difficile. Cible abattue! Destruction confirmée! Ah, 2 tirs de loupé par contre, c'est 2 tirs de trop. Plus 10% d'expérience de compagnie. Hop. Au boulot. Allez, dégagez. Finissons-en avec ça. Ok, on se bouge. En forme. Amenez là, le là. Au centre de la section. Assemblez-les, dites-leur de se déplacer, caporal. Paré, envoyez les... Partons d'ici. Bon. On peut prendre des dépôts là, mais pour l'instant j'ai pas y aller avec le peu d'hommes que j'ai. Équipe est blindée, allez! On les tire! On les tire! Allez, allez, allez! Courez! Rendez-vous! J'ai oublié. Bien joué! À présent, étayez les défenses! Ils ne vont pas se laisser faire si facilement! Déplacez-vous! Encore eux qui vont pas se laisser faire? Envoyez les ordres! Ça serait pas drôle aussi. Les unités allemandes se rassemblent sur une zone avancée. Mettez les rangs en alerte. Préparez-vous. Tous les tirs. Allez, dirigez-vous par là. Aïe. Eux aussi peuvent appeler, eux aussi. La promotion vient d'arriver. Renforcez cette position de combat avec de la puissance de feu. Sortez donc la portée. Il nous faut plus de blindés, j'oublie de les appeler. Là où je pourrais bientôt en appeler un nouveau avec tout ce carburant là-haut. C'est pour ça que je me suis forcé vraiment à prendre 100 points. En plus d'avoir tué leur officier supérieur. Un contact vient d'arriver et rapporte qu'une force mécanisée ennemie se rapproche. Préparez-vous à un troisième assaut. En route sur ma position. Équipez-vous et sortez. En route, allez. Allez, go, go, go. Pas de temps à perdre, montez. Mitrailleuse de position de combat en place. Donc. On est bon. Éloignons-nous d'ici. Oh mais non, mon ambulance qui sont encore buggées. Pilote, en route, on y va. Rassemblez-vous, rassemblez-vous et allez-y. Le seul souci de cette mission, c'est que les unités se bodybug beaucoup. On a surveillé vos secteurs. T'aurais mieux fait de la boucler. Lâchez-vous les gars. Ah. Une de nos positions de combat. Bien, encore un autre bug. L'ennemi attaque une de nos positions.
Bon, après c'est capturé, c'est recapturé point. Bon. C'est le jeu. Notre voie de ravitaillement a été coupée. Restiez ici quand même. Par contre, le manque de munitions va être un gros problème là pour mon assaut. Et mon ambulance qui me refait le même coup qu'il y a 2 minutes quand même. Eh mais je pense que mon ambulance fait exprès. Je pense que mon ambulance fait vraiment exprès. Je dis comme je pense. Vu qu'elle m'énerve, elle part. J'ai pas envie de perdre 200 ans avec une ambulance qui veut pas m'écouter mes ordres. On m'écoute mes ordres de toute façon. Une de nos positions de combat est sous des tirs. Point barre à ligne. De ce à cette unité va rester en retrait. Et là, tenez bon les gars, restez vigilants, d'autres boches vont sûrement se ramener bientôt. Ce qui est important, c'est que j'ai une réserve de munitions pour faire un barrage. On dirait bien qu'on approche de l'action. Pilote, pour la prise de la colline. Je triche beaucoup avec la population, mais c'est pas grave. En fait, j'aurais peut-être pas besoin de mon pouvoir de main. Arrosez la zone, allez! La défense, je peux retenir. En attente d'ordre. D'ailleurs, il est où mon mortier? Ah, il est là. Je commence à me dire que quelqu'un doit prendre le volant. On a capturé la position. Préparez-vous au combat. Nous avons coincé les Allemands. Maintenez ces dépôts de carburant. Il ne leur reste que quelques gouttes. Pensez à avancer en permanence, quoi qu'il arrive. Prenez votre matos et vous séparez pas. On y est presque. Préparez les défenses. On est sûr qu'au moins une force de plus va venir. Montez.
avancée. Mettez les rangs en alerte. Préparez-vous. Boulot. Section parée. Pilote, en avant. Vous autres, restez aux aguets. Préparez-vous à bouger. On dirait bien qu'on approche de la... Bon, tout le monde dehors. Un renfort de char est arrivé. Sherman paré. Déplacez-vous. Grimpez dans le... Allons-y. Déplacez-vous vers cette nouvelle position. Ah là, j'ai ma compagnie de blindés. Bon, je m'excuse pas avoir beaucoup parlé, mais comme vous constatez, ce qui est important, c'est vraiment de défendre en permanence tous les points d'essence pour éviter que l'ennemi ait trop de carburant. Et d'accumuler vos blindés. D'accumuler. Et comme vous constatez, je suis déjà au niveau de vétéran. Préparez des anti-chars. Assez haut. Que les Boches nous envoient des blindés lourds. Non, moi je préfère un blindé de plus. Et pour gagner, voilà, vous voyez, sur la 125 de pop. Vous avez vu comment je faisais. Donc voilà, j'ai pas mal expliqué plus. Pour comment tricher sur la population. Mais excusez, j'ai un peu la gorge prise, là, j'ai un peu de mal à parler. Prêt au départ. Ah, gorge prise dans le sens qu'elle est sèche, mais bon, à faire avec. Donc la mission, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir un major avant de capturer ce point. Une fois que vous l'avez, prenez rapidement ce point et ce point là. Une fois pris ce point là et le point en haut, leur véhicule vient de s'arrêter. Je crois qu'il est en panne d'essence. C'est pas grave d'abandonner des véhicules, vous voyez, j'ai pas perdu de points de force dès que mon équipage a pu s'enfuir. C'est ce qui est primordial. Un de leurs véhicules vient de s'arrêter. Je crois qu'il est en panne d'essence. J'ai eu de la chance. On dirait que les Allemands sont à sec et qu'ils peuvent plus rien faire. Ouais. Tout le monde est sécurisé. Par contre, un très bon point. J'ai beaucoup gagné de points d'expérience. Ce qui est non négligeable. Bon, je m'excuse. Voilà. J'étais vraiment très concentré sur cette mission, ce qui est assez compliqué parfois. Mais bon, j'ai plutôt bien réussi, je suis content de moi. Enfin, plutôt bien. Malgré quelques erreurs. Et on a gagné quand même 89 points d'expérience. On est quasiment déjà à 300, ce qui est énorme. J'imagine qu'il faut qu'on profite des petites victoires que l'on obtient. Les gars ont vraiment tout donné pour repousser l'avancée allemande à Stoumont. On n'a pas besoin de se soucier qu'ils fassent le plein et nous attaquent. On peut se reposer pour le moment. Et Dieu merci, on a évité de lourdes pertes. C'est dur de supporter n'importe quelle perte, mais je commence à me dire qu'on se débrouille pas si mal ici. On voit, et c'est ainsi que nous avons pris Stoumont. Et qu'il reste plus que 4 endroits intéressants, hein. Donc celle-ci, voilà, je dilue un peu l'expérience parce que comme vous constatez, l'expérience monte très vite maintenant. Infanterie mécanisée, prête à se lancer. Et je vais bouger ma compagnie Dog. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, nous prenons Wills et Eschdorf.
Bullingen ensuite, et on finira par Uren. Ou Bullingen, puis Wilks, Eschdorf. Et on finira toujours par Uren avec la compagnie Baker qui s'en occupera, fera la percée finale. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde.